nouvelle réception manga et c'est parti. Je viens aujourd'hui avec une réception Kiyun pour le très très beau service presse Akane Banashi, donc leur nouveau titre qui paraît très prometteur. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais bon, une fois n'est pas coutume, je veux vous le présenter. On commence avec ce très très chouette kimono avec notre personnage principal. Il est vraiment tout doux, je pensais pas que ce serait aussi agréable et il est super joli. On continue avec les vêtements floqués avec ce bonnet bleu, pareil avec notre héroïne et le nom du manga. On retrouve ensuite ce tissu dont je ne saurais dire l'utilité, donc n'hésitez pas à me le dire, mais en tout cas trop trop beau les effets de couleur, je trouve ça super chouette. On continue avec cette espèce de plus ou moins diorama, comme ça vous savez, on empile plusieurs couches de carton et ça donne une profondeur, je trouve ça tellement joli et esthétique à mettre dans sa bibliothèque. On a ensuite ce très joli éventail, il est super grand, alors moi je suis pas très grande mais quand même il est assez massif. On termine les goodies avec ce petit porte-clés en acrylique qui est vraiment trop chouette. Et on a ensuite les deux premiers tomes de la série. Apparemment, elle est super appréciée au Japon. Donc j'avoue que j'ai très très hâte de la découvrir. J'ai vu que des commentaires positifs dessus pour le moment. Donc je suis ultra curieuse. Et donc voilà pour cette réception de Service Press. C'est encore un très très beau pack que Kim nous a proposé. Dites-moi si ce titre vous tente et si vous pensez que vous allez le lire.